Bonjour, bonsoir à vous-même qui avez regardé la vidéo aussi là, dépendamment de l'heure où vous regardez. Nous voulons vous donner un gros coup de salutation à toute super branchée Kappa Haïtien News qui n'a jamais raté une émission rencontre. Jeudi en émission rencontre, nous prenons la chance de recevoir Woodsy Michel qui pourra parler nous un peu de grand sommet que nous attendons qui t'a fait du côté de Louisiane dans la date sortie 16 janvier pour arriver 19 janvier. Nous prenons un petit coup de pause et puis nous retournons dans un petit moment encore. Bonsoir Woodsy, bienvenue dans le micro Kappa Haïtien News. C'est un plaisir pour nous capables de recevoir dans l'émission Rencontre jeudi. Mati, bonsoir à lundi. Bonsoir à tous auditeurs et internautes Kappa Haïtien News. Après-midi, je suis vraiment content pour me capable de participer dans l'émission ça, qui est une émission très prisée dans le département du Nord là, et pourquoi pas sur tout le territoire national là. Donc, et une fois encore, je vous remercie. Woodsy, il y a un peu de monde qui remarque que c'est un visage qu'on connaît, mais il y a un peu de monde qui ne connaît pas qui est Woodsy Michel. Avant que nous parlions plus de sujets qui invitent nous jeudi après-midi, est-ce que vous êtes capable de présenter à moun yo qui a regardé l'émission si là? Alors, moi-même, c'est Woodsy Michel. Je suis agroéconomiste. Ça veut dire que j'ai une spécialisation en agroéconomie. Je suis juriste, je suis activiste dans le droit moun. Donc, à ne pas confondre, je toujours mais lorsque je dis que je suis activiste dans le droit moun, à ne pas confondre avec le droit du genre. Mais le droit moun, c'est le droit du genre fait partie de exactement, droit à l'éducation, droit et au logement, ok, droit à la sécurité, droit pour tout le monde capable de manger bien. C'est respecter le droit moun yo, c'est bailler un espace qui est vivable à tout le monde. Donc, nous-mêmes, nous englober et droits humains en général. Je suis coordonnateur salon étudiant d'Haïti, qui d'ailleurs c'est une association qui joue dans plus de 6 départements déjà et dans le pays, que je suis coordonnateur général. Et je suis responsable de communication pour l'accord LAREA, qui est un accord qui participe dans le sommet, ça, qui est le sommet historique de l'unité haïtienne. Je suis promoteur accord LAREA et promoteur sommet historique haïtien qui était fait à alors dans moi ça du 13 au 19 janvier à Louisiane. Donc c'est un plaisir encore une fois aussi pour nous capables de recevoir une émission parce qu'il y a un pile monde qui tendait parler de accord ça qui était fait du côté de Louisiane qui a posé peut-être une pile question qui objectif rapport ça et qui ça qui était fait non et accord ça même est-ce qu'on capable parler mon un peu plus de accord ça importance li pour qui ça nous avons besoin faire un accord du côté de Louisiane dans date ça alors et c'est intéressant donc moi même façon que ou fini question hein. C'est une question que en pile moun poser moi même personnellement en tant que promoteur sommet historique haïtien c'est pour qui ça c'est un accord haïtien donc qui symbolise l'unité haïtienne qui donc ces manifestations même volonté union du côté des haïtiens mais pour qui ça c'est à Louisiane les fêtes oui donc pour me capable expliquer ça m'a cité une phrase que d'ailleurs et une personnalité que nous connaît très bien en Haïti qui c'est Fritz Alphonse Jean il dit nous comme ça il faut que nous suspendons ouais Haïti seulement à l'intérieur des 27 750 km². Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Côté que tout pays entreprend des relations avec tout l'autre pays, tout pays dépend de tout l'autre pays. Donc, ça, c'est l'ordre mondial actuel. Donc, Haïti n'est pas qu'à un pays qui vit de manière isolée en dehors des autres. Donc, Haïti, c'est un élément dans un ensemble. Ensemble, c'est le monde-là. Haïti, c'est un élément là-dedans. Okay. Donc, et Haïti lui-même l'a interagi avec le monde là. Alors, actuellement là, nous jouons dans une situation qui est historique. Une conjoncture et qui tout à fait et que nous capables très délicat. Qui d'ailleurs, côté que nous gagnons loi mère pays. Qui c'est constitution, hein? Mais qui malheureusement pas prévoit une situation comme ça. Donc rapidement, nous sommes capables de dire que nous jouons nous dans ça que relève un vide constitutionnel. Alors, dans la situation, lorsque vous jouez nous
dans un vide constitutionnel, il faut que vous preniez des décisions qui extra-constitutionnelles. Ça veut dire qui ça? Des décisions que la Constitution pas te prévoir. Exactement. Qui pas inclus dans la Constitution. Mm-hmm. Là, ça, ce sont des acteurs, ok, qui trouvent yo, et bien sûr des acteurs haïtiens qui pourraient réunir yo en dehors de toute et divergence que yo gagnent, yo mettez yo de côté, yo chita pour yo capable de joindre une seule accord. Solution. Alors pourquoi venir sur accord là? Une seule solution pour dire mais qui orientation que nous décider bah pays a. Voilà pour qui ça que et alors yo te pensé à prendre initiative ça qui c'est HDPAC. Et que je vais faire un petit parler de lui, bien sûr, qui prend l'initiative là pour être capable d'organiser ce sommet qui symbolise l'unité et du côté des Haïtiens, mm-hmm. entre les Haïtiens et par les Haïtiens, pour nous capables de joindre un accord. Solution. Mais pour qui ça? C'est pour nous capables d'éviter pays à tomber dans un imbroglio politique, okay. côté que, ou encore une crise que nous pour côté Jean Mouet avant. Okay. Mais pour qui ça encore? Attention, c'est à Louisiane que les fêtes. Alors, c'est une initiative de la jeunesse et de la diaspora. Dans ce sommet, il y a un pile de grandes personnalités étrangères qui sont invitées. Mm-hmm. Donc, le problème qui est posé qu'on y a là, pour être capable de venir ensemble avec tout le monde en Haïti, du point de vue logistique, ça va venir coûter un pile. Nous avons un pile d'infrastructures que nous n'avons pas gagné malheureusement en Haïti, mais que aux États-Unis et dans un pile d'autres pays. Yo gagne yo. Donc voilà pour que ça déjà sur le plan sécuritaire, est-ce que nous sommes capables d'assurer sécurité une délégation qui a sorti et aux États-Unis. Donc il y a une table de raisons qui fait choisi faire du côté de Louisiane, des raisons très valables. Voilà, et me penser que qui valable bien sûr parce que nous gagnons vers et après la deuxième guerre mondiale, nous gagnons et lorsque l'Europe l'était écrasé, mais qui plan que l'Europe l'était adopté pour être capable de sortir dans la situation qui était là, c'était le plan américain, le plan Marshall. Okay. Mm-hmm. Okay? Donc, nous avons après 1929 tout, mm-hmm. et côté que avec et solution que l'Américain était prêt pour être capable de corriger une crise économique mondiale qui était bien, mais le monde était appliqué et était joué. Résultat donc, à chaque crise, on est obligé de créer une solution. Tout à fait. Surtout si pas de guetter une solution voilà, qui prévoit ça. Voilà, tout à donc, fait. Donc le problème, c'est pas le fait que nous faisons ailleurs. Le problème, c'est au niveau du résultat, yo, qui ça que nous avons besoin et qui est l'objectif que nous faisons. Donc, okay, sommet, nous faisons un premier pas qui c'est joindre un seul accord. Ensuite, nous arriver et nommer deux mondes pour capable prendre tête pays qui constitue un exécutif bicéphale qui deux mondes ça et pour qui ça selon qui critères. C'est deux mondes ça, on nous fait choix de nous-mêmes pour être capable de prendre tête pays. Alors, sommet a été un grand enjeu. Qui est un enjeu qui est lié? Il faut que la décision qui a sorti à l'issue du sommet n'est pas reproduit, même ça que nous connaissons, qui est toujours passé et dans le pays depuis des siècles. Donc, okay. Sommet ça, il est plutôt c'est un sommet historique qui plutôt apporté un bagage qui est nouveau dans la politique haïtienne. Donc, nous avons effectivement choisi deux personnalités que nous connaissons très bien et dans le milieu haïtien. Mm-hmm. Nous connaissons Fritz Alphonse Jean, qui d'ailleurs c'est ex-gouverneur Banque Centrale. Nous connaissons de même Madame Myriam Fétière, qui s'est habituée dans l'administration publique de l'État. Donc, nous pensons que, et avec deux personnalités, le pays est capable et espérer groupe. Et surtout, avec différentes aspirations que acteurs qui ont participé dans le sommet Louisiane ont été gagnés. Mm-hmm. Donc, masse là, moun qui pi mal yo, que les aspirations que yo présenté à l'issue de sommet ça et que yo retenu. Mm-hmm. Donc, nous pensons que et ce sont des aspirations qui répondent directement à besoin, les besoins les plus fondamentaux. De monde qui pime à lieu, de masse. Ok, ma réitérer la question ça encore, peut-être que c'est avant dernière question que je m'a posé avant de nous mettre fin à l'émission jeudi. Oui, M. Fritz Alphonse Jean, ancien responsable et Banque Centrale, et Mme Fétière, ce sont des personnalités publiques que tout le monde connaît. Mais est-ce qu'il y a des critères spécifiques qui te permettent que nous faisons choix ça pour être capable de prendre tête pays à? Alors, mais bon, l'aime dit prendre tête pays, c'est une expression un peu floue, pour être capable. Fait partie de l'exécutif bicéphale ça que nous parlons de l'IA. Oui, alors et tout à fait. Moi-même personnellement qui ça que nous croyons sans que me pas prêter intention ça et à monsieur et sommet historique haïtien.
Moi-même, je pense que si toutefois en Haïti, nous condamnons pour nous échouer, mieux vaut nous échouer avec des mouns que nous connaissons qui gagnent un profil, qui sont un profil qu'on capable présenter la jeunesse là, qu'on capable présenter la population haïtienne là. Yon des mouns qui gagnent une carrière, des mouns qui gagnent effectivement quelque chose à perdre. Donc voilà pour qui ça moi-même personnellement. Mais là, excusez-moi, mais là on est d'accord avec vous. Vous avez dit que l'objectif sommaire c'est pas pour nous pas reproduire les mêmes erreurs qui habituent fait déjà. Mais là on est d'accord avec que au niveau du pays d'Haïti, nous habitués gagnent plus de monde qui gagne des carrières, des profits et puis qui pas et satisfait à tant de population. Exactement, exactement. Et c'est malheureusement c'est un cas de figure que nous remarquons en Haïti. En pile, en pile. Donc et c'est ça qui fait même que au niveau de sommaire yo prend en pile disposition pas seulement pour yo capable choisir des moun que me sont cité là Fritz Alfonso et madame Myriam Fetia mais plutôt bay moun sa une feuille de route. C'est ça qui fait que tout à l'heure me dit que les différents accords yo vinn ériger yo en des gendarmes. Donc pendant que même ou gagné des moun qui placé là pour yo assurer exécutif là pour yo occuper exécutif là mais a bien des gendarmes tout qui pour dire attention, il faut que aspiration que peuple a gagné, aspiration que combler. Masse la gagné, moun ki pi mal yo, il faut que et problème de sécurité ça que nous gagne là, problème la vie chère, il faut que problème ça li résoudre. OK, vous dit donc moun ça que sommet a fait choix de même nan, est-ce que c'est des moun qui choisi pour capable diriger pays a pour une période de temps provisoire ou est-ce que gagne un temps qui bien précis? OK pour nous capable mettre monde ça au diriger pays. Alors depuis quelques années nous remarquons que sous scène politique là il y a parlé de une transition de rupture. Donc on essaie aller bref parce que tout à fait, c'est une transition de rupture. Donc accord de Louisiane comme objectif là, c'est offrir à pays ça transition de rupture ça même. OK. Donc nous ça il y a en guise de transition. Donc il y a assuré transition jusqu'à ce que il réalise des élections crédibles et libres. Des élections qui réalisées avec des ressources haïtiennes et que nous connaissons, nous pas de personne qui est à l'extérieur. Et lorsque je dis personne, et là je fais référence directement et à des étrangers, okay, et okay. À des pays étrangers qui toujours ont fait des ingérences, des actes d'ingérence dans la politique haïtienne. Non? Donc, nous voulons prendre le soin pour genre. De bagaille ça, yo pas répéter encore okay. Sur scène politique là en Haïti. Donc, accord là, t'es fait 13 au 16 janvier 2022. Dernière question m'a posée avant d'aller. Est-ce que après ça, toute bagaille finit pour accord là, ou du moins, est-ce que y a des suivis qui pourra le faire encore et suite à choix que nous fait de exécutif bicéphale ça? Alors, à la fin de sommaire, c'était 19 janvier. Donc, yo t'es instauré un comité de suivi. Bon, qui d'ailleurs gagne et député et Hippolyte, qui c'est porte-parole et comité ça. Donc, vous pensez que vous gagnez et un cahier de charge, vous gagnez et accord là même qui que vous rédigez et à l'issue de sommaire, qui c'est une feuille de route en même temps pour gouvernement de transition qui pourra le venir. Hein? Donc, et actuellement là, c'est sous ça que nous y est là. Donc, okay. Comité suivi, hein? Pour le capable accompagner personnalité ça que vous choisissez et toujours en harmonisation avec tous les différents acteurs qui étaient présents dans l'accord là pour être capable juste arriver à installation de personnalité ça et dans le jour ça qui accepte. Donc Woody Michel, merci en pile, c'était un plaisir immense pour nous mêmes pour nous être capable de recevoir une émission aujourd'hui. Malheureusement nous pas guetté pour nous t'a fin poser toutes questions que nous t'avons posé parce que nous connaissons sujet ça, c'est un sujet qui est vraiment délicat, c'est un sujet en pile moins en pile question pour lui même. Nous espérons prochaine fois na va gagner chance retrouver dans l'émission encore qu'on ça n'a pas parlé plus sous sommet historique de l'unité haïtienne nan, et sous tout suivi qui est pour capable faire après. Donc encore une fois merci Woody Michel, merci en pile parce que vous avez décidé de répondre à l'invitation pour capable venir dans l'émission aujourd'hui hein, et nous espérons recevoir une prochaine fois. Très bien Andy, merci à vous même tout, merci à Cap Haïtien News, merci à technicien.
D'accord. Merci tout à vous même qui t'a regardé émission ça, qui toujours regardé vidéo yo. Merci à vous même qui abonné, merci à vous même qui toujours partagé avec amis, qui toujours invité amis abonné et puis like page Cap Haïtien News là. C'était un plaisir pour nous être capable servir, c'était amis Paul Verland Cadet et invité nous Rudy Michel. Nous on rendez-vous à semaine prochaine. Bye bye tout le monde.